Ok. C'est clair. Tout d'accord, ok. T'étais dans la voiture. Non. J'y étais pas. Ils m'ont désavoué. Dietrich, j'en déduis que je suis d'accord. La cherche et que je suis à la solde d'un trafiquant d'armes. Max. C'est-à-dire. Depuis quand? La taupe, la vraie. Je crois qu'elle se fait appeler Job. C'est-à-dire. Le message est pour Job. Exact. Et j'avais joué le jeu. C'est-à-dire. T'aurais pas. Pas pu choisir quelque chose d'autre qui est rouge, je sais pas. Merci, Max. Je veux la liste complète cette fois, pas juste l'Europe de l'Est. 10 millions. Juste un détail. Vous me donnez la garantie que Job sera là à la livraison. D'accord. C'est intéressant, ça. Max a passé un marché avec toi? C'est-à-dire? Liste. Max me livre Job. J'ai besoin d'équipiers. Pourquoi il y a toujours un langouste ici? C'est incroyable. Oh, ah ouais, ça c'est mieux, ça. Ok, il y a un train ici. Tout à fait normal, pourquoi il y aura un train? On va jouer. Banque. Unité centrale FMI. À l'intérieur du quartier général, à l'anglais. Ouais, d'accord. Et tu crois vraiment qu'on peut réussir? Nous allons réussir. Ok. Dun, 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 dun. Oh, c'est joli là quand même. Hein. Ouais, pour du graphisme dans un jeu Lego, c'est pas mal. Tout est prêt, Ethan. Oh, allez, c'est parti. Si toutefois tu l'acceptes. Désolé, j'ai toujours eu envie de dire ça. C'est une blague, c'est ça? Ouais, bah ça doit être une blague. Une note de santé, tu sais. Même pour moi. C'est très loin du Luther Stickle dont on chante les louanges. C'est de l'Anglie qu'on parle là. Le QG, au cas où tu m'as oublié. D'accord. Si tu veux pouvoir entrer, il va falloir faire une grosse diversion. Tu vois le système d'alarme incendie sur le toit? Si tu peux désactiver l'alarme, je peux te trouver du matériel pour entrer incognito. Il te faut juste le bon déguisement. D'accord, on va devoir se déguiser, encore une fois. Eh bien, le prends pas mal. Mais si tu penses pouvoir ne serait-ce que passer l'accueil habillé comme ça, tu te fous le doigt dans l'œil. Luther a raison, Ethan. T'infiltrer est la seule solution. Reste calme, Luther. C'est bien pire que tu le crois. Ouais, je me doutais que tu dirais ça. Oh, y'a quelqu'un qui arrive, attention. Alors la vraie liste, dans quel terminal? J'adore, y'a quelqu'un qui arrive, boum. Direct, genre le pistolet dans la gueule. Personne autorisée à y pénétrer doit passer toute une série de contrôles de sécurité. Okay. Les mécanismes anti-intrusion ne peuvent être neutralisés que par une double clé électronique codée que nous ne possédons pas. D'accord, ok. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ok. Ah d'accord, tu c'est bon. Vraiment qu'on peut réussir? Nous allons réussir. Quelle que soit la vraie taupe, elle paiera pour ce qu'elle a fait à Jim. D'accord, ok. On va trouver la vraie taupe, n'importe, qu'importe qui c'est. Ok. C'est-à-dire... Non, ça c'est pour le ça c'est un batarang. C'est dur à repérer ce genre de truc. Bah, je doute que Ethan Hunt ait un batarang. Parce que dans ce cas-là, ce serait vraiment bizarre. Ah oui, d'ailleurs, autre chose que je voulais dire. Je me demande pourquoi ils ont toujours pas ajouté une customisation de personnage en Lego Dimension. Genre, ce serait vraiment bien si on pouvait genre customiser son personnage et tout. Ok, alors la moto... Alors, on a toujours pas la voiture. Ce qui est un peu bizarre. Parce que on a toujours utilisé la moto pour l'instant. Ok, what? D'accord, ok, j'ai fait un peu de bruit, non? Parfait. Parfait, j'espère qu'il a pas appelé d'autres gens, parce que sinon... Parce que j'ai pas vu... Enfin, je crois que sa lampe n'est pas devenue rouge. Ah si, sa lampe était sûrement devenue rouge. Parce que sinon, il n'y aura pas de gens ici. Allez, c'est parti. Ok, on va pouvoir voir ce qu'il y a dans ce camion. Ok, il y a de drôles de mécanismes dans un camion. Ok. Ça fait quoi ce levier? Ah, ok, ça fait moins de choses que je pensais. Du coup ça allait faire exploser le camion. Mais non apparemment pas. Allez. Voilà, c'est parfait. Hop. Alors voyons, voyons, voyons. Ok, il y a quelque chose en haut. Ah oui, c'est d'ailleurs Ethan Hunt, c'est le premier personnage que j'ai qui peut faire le target. Alors qu'est-ce que c'est que le target? C'est quand vous avez une cible et que vous tirez dessus. C'est le premier personnage que j'ai qui peut faire ça. Ouais, je sais que c'est incroyable. Mais voilà, comme je l'ai dit, j'ai que... Enfin, j'ai tous les level packs. Mais je crois que j'ai que ça quand même. Genre le team pack d'Harry Potter. Harry Potter, c'était mon premier team pack.
Et j'ai deux fun packs, un c'est Sensei Wu et l'autre c'est la méchante sorcière de l'Ouest. Tout simplement. Rien de plus facile à comprendre. Oh, ah ouais, là c'est la voiture. Ah tiens, c'est une voiture à roues avancées déjà. Avant même qu'on l'ait uploadé. Upgradé, ça veut dire quoi? Améliorer. Allez, c'est parti. Oh mon dieu, faut que j'arrête de parler en franglais parce que là c'est incroyable. Et non, j'habite pas en Angleterre, non. C'est autre chose. Allez, deux tags sauvegardés, c'est parfait. Ok, alors la voiture elle est coincée derrière. Voilà, on l'appelle ici. Voiture de sport IMF, parfait. FMI, je crois, en anglais. En français. Non, oh, je sais pas. J'ai toujours retenu sous le nom de IMF, parce que voilà. Allez, c'est parti. Allez. Oh oui, ça ne donne pas aussi faire ça. Oui, bien sûr, parce qu'il est acrobatique. Pourquoi est-ce qu'il ferait pas ça? Allez. Ah, c'est tellement bien fait. Ah, ok, parfait. Maintenant, il faudra pousser quelque chose dans ce sens. Alors, voyons, qu'est-ce que ça va être? Une prise. Je crois que c'est une prise. Prise gigantesque. Ouais, c'est une prise. En effet, c'est une prise. Une prise tout à fait gigantesque. Parfait. Entre. Parfait. C'est chargé. Ça donne quoi ça? Donc le but final sera d'activer l'alarme incendie. Sauf que... Attendez, juste un truc. Juste un truc. On se le dit. Pourquoi? Que Max ne change pas d'avis sur ce marché et qu'on ne fasse pas tout ça pour rien. D'accord, ok. En fait, le problème, c'est qu'en fait, une alarme incendie, c'est censé être un truc qu'on peut activer dès qu'on voit du feu. Si on doit faire ce processus là à chaque fois qu'il y a un feu, je veux dire, le truc il est brûlé quoi. C'est pas possible. Oh, ok, d'accord, c'était très mauvais ça. Ok, alors je ne sais pas du tout où chercher. Là c'est rouge sur mon truc. C'est rouge total. Quand vous me demandez, parce que. Il n'y a pas de vert du tout. Ah d'accord, faut aller chercher de l'autre côté peut-être. Non, ouais, je crois que c'est ça. Il faut pas tomber. Parce que chaque fois, je vous jure, je vais au moins tomber une fois. Au moins une fois, si ce n'est pas deux ou trois. C'est sûr. Parce que chaque fois je tombe à ces trucs. C'est incroyable. Et ils sont cons parce qu'il n'y a personne qui voit ça. Voilà. On est dans un jeu Lego. Je sais pas comment ça s'est passé dans le film. Comme vous savez, j'ai pas vu le premier. Si toutefois ça c'est le premier. Oh! J'aurais dû voir la lumière rouge parce que j'ai vu genre que la lumière jaune et la lumière rouge à un certain moment. Ok. Le mec il était tranquille en train d'avoir sa sieste. Là, c'est direct, genre, boum. Alors cette fois, ils ont ajouté des énigmes comme ça pour les niveaux aussi. Donc ça, c'est vraiment classe. What? Oh mon dieu, c'est le mec d'Agent Tourisque. Oh mon dieu, c'est tellement énorme. C'est tellement énorme. Ah, c'est pas le drone de... Nissan Hunt, ça? Si, c'est le drone Nissan Hunt. Nissan Hunt, pardon. Ah, d'accord. Si tu faisais un essai et que tu désactivais cette alarme. Ah, faut que je désactive l'alarme. Faut pas que je lance une alarme. Ah, d'accord. Alors ça se comprend mieux. Parce que je me suis dit, lancer une alarme, c'est un peu con. Hein. On doit faire tout ça, un processus comme ça. Désactiver ça. Allez, descends. Descends. Monte, parfait. Ah non, c'est activé ça. J'ai déclenché l'alarme. Déclenché, ouais. Jackpot. Et voilà la cavalerie. Il est toujours là, monsieur Béa Baracus. Je sais pas comment il s'appelle en français. Ok, d'accord. Tout le monde évacue, tout le monde évacue. Il n'y a pas de feu. Vous êtes con, franchement. Luther, envoie le matériel de maquillage. Prêt à passer incognito? Je t'envoie un petit cadeau dans 3, 2, 1. Ah, d'accord, on va devoir déguiser en pompier pour passer. Parce qu'il y a l'alarme d'incendie. Et c'est normal que des pompiers arrivent. D'accord, ah, c'est intelligent ça. C'est intelligent. Et je me sens mal de ne toujours pas l'avoir compris. De ne toujours pas l'avoir compris. C'est intelligent ça comme phrase. Allez, c'est parti. Je sais pas parler français ces derniers temps, je sais pas pourquoi. Allez, c'est parti. Parfait.
Change-toi en pompier. Énorme. Il y a toujours des bonnets de clowns. C'est incroyable. Espérons que ça convainque la sécurité ou cette petite expérience sera terminée avant même de commencer. D'accord, ok. Pas de problème. C'est parti, on va rentrer. Sûr que Kittredge et ses hommes ne se douteront de rien. J'en suis sûr. Le point d'accès est ici. D'accord, ok. Allez, c'est parti. Non. Pourquoi tu peux pas scanner? Ah d'accord, faut garder appuyé maintenant. Ok, je sais pas. Accès autorisé. Ça doit être un bug. Je pense que ça doit être un bug. Parfait. Ok, il y a beaucoup de chaos ici. Hein. C'est un peu le bazar, mais c'est pas grave. Donc le niveau là, il est vraiment long. Hein, parce que j'ai prévu genre une heure de vidéo, mais là quand même... Kittredge aura mis des gardes dans tous les coins. Il devrait y avoir une cage d'ascenseur droit devant. On a accès à la chambre forte. Je suppose que tu ne peux pas simplement passer par la porte principale. Je ne ferai pas ça. Ouais, bah je pense que la porte principale, c'est bien trop risqué. Ça c'est encore plus risqué parce que apparemment ça a déclenché beaucoup de choses. J'aurais pas dû faire ça. Et d'ailleurs, qui a emmené une moto là dedans parfait. C'est quoi cette attaque? C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme cette attaque. C'est incroyable. Allez, c'est parti. Par contre, ça a pas fait beaucoup de dégâts. C'est incroyable. Hop là, combien de fois j'ai dit que c'est incroyable dans ce niveau? C'est incroyable. Je viens de redire une fois sans faire exprès. Ok, ça c'est pas pour nous. Ok, vas-y, sors ton panneau. Voilà. Ok, parfait. Allez, vas-y. Ok, alors qu'est-ce que ça donne? Ah non, c'est rouge d'abord, ensuite vert. Ah d'accord, ok, j'ai compris. Donc bleu sur le dernier niveau et rouge sur le premier niveau. Voilà, parfait, ok. Fallait regarder juste un petit peu plus. Observer, comme on dit. Voilà, parfait. Et on va monter sur l'échelle. C'est une échelle, oui, c'est une échelle. Ça, c'était la partie facile. Ok, d'accord. J'espère que t'apprécies les lasers, Ethan, parce que tu vas en côtoyer un bon paquet et de près. C'est pas ce que tu manques. Ouais, cause toujours. Juste une chose, une fois la mission terminée, je vais emporter le matériel. D'accord, on aura des lasers. Shell, je sais comment on résout le problème de laser. Mieux vaut éviter les interruptions quand tu seras dedans. À l'intérieur de la chambre forte hermétique, il y a 3 systèmes en action à chaque fois que le technicien n'est pas présent dans la salle. Le premier est sensible aux vibrations acoustiques. Tout son qui dépasse l'intensité d'un murmure le déclenche. D'accord. Le deuxième système détecte. On vient de dépasser le murmure. La chaleur corporelle d'une personne non autorisée sur les lieux suffira à le mettre en route, même si la température n'augmente que d'un degré. Cette température est contrôlée par l'air conditionné provenant d'un conduit situé à 10 mètres au-dessus du sol. J'y suis presque. Le troisième système est dans le sol. Il est sensible à la pression. Vous pouvez me croire quand je vous dis que ces 3 systèmes sont à la pointe de la technologie. Ce sera vraiment dur. Ce sera vraiment dur de passer. Je me demande comment on va faire. Un drone ici. D'accord, on va faire passer le drone peut-être. C'est une bonne idée ça, non? Ok, on va monter là. Non, monte. Voilà, ok. Un drone, il est un peu plus difficile à contrôler parce que... D'accord, parfait. C'est désactivé les lasers, maintenant on va pouvoir passer. Ok, parfait. Ok, allez, c'est parti. Wow. D'accord. Ah, ok. Ouh, ok, c'est galère là. Galère, je le sens déjà. Monte. Bon, brouille-toi, monte. C'était chaud, non? Ouais, très chaud. Ok, alors où est-ce qu'on doit pas dépasser le son d'un murmure? Parce que là, je crois que c'est pas là encore. Ça doit être plus tard. Parce que là, ce sera difficile de ne pas dépasser le bruit d'un murmure quand on doit faire exploser des trucs. Surtout qu'on doit amener une moto là-dedans. Ou une voiture. Hop là, ok. Parfait. Allez, c'est parti. Allez, on y va. C'est parfait. Ok, alors qu'est-ce que ça donne? Une sorte de ventilateur géant. Ah d'accord, on va nous souffler vers le haut. Qu'on puisse atteindre les trucs magnétiques. Tout à fait compréhensible.
attendez, je vois juste un truc. Ok, pas de problème, c'est parti, continue. Parfait. On va juste... Ok, non, 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 ok. Alors là, c'est balle. Parfait. On va activer ça. Ok, c'est parti. Ah, ça va, je m'améliore à ça. Une fois que vous avez genre... l'habitude de le faire, ça va. Ok, bon. Ça fait beaucoup de bruit, ça, quand même, non? Ok, alors ça, c'est la chambre, normalement, non? Ou pas? Peut-être pas. Je suis pas sûr. D'accord, on doit descendre en haut. En bas. Descendre en haut. Ça veut tout à fait dire quelque chose, descendre en haut. C'est clair, ça, non? Ces lasers sont là pour faire mal. Essaie de les éviter. Ouais, merci. Ne t'approche pas trop des lasers de sécurité, Ethan. Allez, c'est parti. Aïe, aïe. Ok, c'est très très mauvais, ça. Bon, désolé, je suis désolé. Ok, alors ça, on peut pas passer. Peut-être faut faire un truc avant, peut-être. Ah d'accord, ok. Ah d'accord. Ok, ah c'est énorme, ah c'est énorme. C'est énorme qu'on aille à faire ça. Non, 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 monte. Oh, non, descend. Voilà, monte, monte. Descend. Voilà, parfait. Parfait. Allez, c'est parti, un autre truc. Ok, ouh là 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 là, ok, il arrive déjà, il arrive déjà. Parfait! Bien joué! Il faudra que tu m'apprennes à faire ça, un de ces quatre. En fait, c'est pas ça le plus difficile. Ouais, c'est pas ça du tout le plus difficile. Non, d'en remonter. Si tu y arrives et que tu blanchis ton nom, pense à glisser un mot sympa pour moi, ok? Ok, parfait. Ceci étant dit, je crois que je vais regretter de ne plus être un type louche. Luther, si ça peut te remonter le moral, tu seras toujours louche pour moi. D'accord, ok. Ouais, j'avoue, j'allais dire la même chose. Ok, attendez, je vois juste encore un truc.